La fin de la Seconde Guerre mondiale est célébrée en Russie, non pas le 8 mai comme ailleurs en Europe, mais le 9. Tout ça parce que l'acte de capitulation nazie a été signé à Berlin le 8 mai 45, vers 23h. Avec le décalage horaire, on était déjà le 9 à Moscou. La journée, appelée en Russie « Jour de la victoire », est marquée par une cérémonie officielle à laquelle le président ne manque pas de participer. Nous sommes prêts à coopérer avec tous ceux qui sont disposés à lutter contre le terrorisme, le néonazisme, l'extrémisme. Nous serons le rempart aux idées néfastes et nous appelons tous les pays à prendre conscience de notre responsabilité commune pour lutter ensemble et garantir un système de sécurité mondiale. Après ce discours présidentiel, des milliers de soldats ont défilé sur la place Rouge. L'occasion pour le Kremlin d'exhiber quelques-uns des derniers équipements militaires de l'armée russe.